Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission FIFA, notamment FIFA Fut Champions. Exactement. On va devoir vous faire la promo de Fut Champions et ce, toutes les deux semaines en fait. On va essayer de participer et voilà. Alors on n'a pas le niveau, on le sait. Mais le but mais c'est de step up. C'est de step up. On va essayer de faire au mieux et l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne Fut Champions, comment on peut y accéder, etc. Sauf qu'avant de jouer à Fut Champions, il faut faire une équipe. Une équipe et du coup il faut ouvrir des packs. Et du coup on va ouvrir des packs. Et du coup écran. Écran. Mais c'est parti, mesdames et messieurs, des packs hors premium. On en a pour 40 balles et on commence tout de suite avec ce premier pack. Est-ce que tu es prêt, Zulzul? Ouais, je suis prêt. Vas-y, alors, faut savoir que on a ouvert des packs avec First Team mercredi. Le premier pack qu'ils ont ouvert, ils ont chopé un mec à 86, machin, qui vaut des millions et des milliards. J'espère qu'on aura la même chance, attention. Bien sûr, pas du tout. Évidemment, pas du tout. Et pas du tout. C'est de la merde. Ah, j'avoue, j'ai passé animation. Ne pas jamais les animations. Jamais. Et c'est Rashford, mec, il est bon. Mec, Rashford, c'est pas mal. C'est propre, on est content. C'est pas mal. Pourquoi Rashford, il a pas une animation spéciale? Genre, le mec est bon. Parce que t'as coupé. Non, c'est au-dessus de 83. C'est au-dessus de 83 que t'as les animations avec les paf, paf. D'accord. Et tout. Non, parce que, non, en fait, j'ai coupé parce que j'ai vu qu'il y avait pas les panneaux sur les côtés et tout. Je me suis dit, c'est de la merde, on s'en bat. Vas-y, avance, d'accord. Mec. Bon, alors, on y va. Du coup, on balance tout au club. Exact. Et c'est parti. Certains éléments quoi? On a déjà un double. Du coup, on en fait quoi? Attends. On a un doublon. Tu peux quand même l'envoyer au club. Attends. Vas-y, non, mais on va le vendre. Mais du coup, ça veut dire que on est peut-être sur le même compte que House of Sport. Mais non, c'est là, on est sur mon compte. Ok. Vas-y. On est sur le compte. Vas-y, vends-le. On est sur le compte le stream. Vas-y, vends-le. Kim MP, vends-le. Attends, retour. Ah ok, t'as fait quoi là en fait? T'as fait envoyer au club, c'est ça? Ah ok, en fait il faut changer, c'est-à-dire que lui on l'envoie au club, parce qu'il avait plus de contrats. D'accord. Et lui, vente rapide, ça dégage. Non! Vente rapide, mec, qui me BMP quand même, pas vente rapide. Je veux juste vérifier un truc, on Max. Prend la manette, ça va me faire chier. Non, mais excuse-moi. S'en bat les couilles, on va pas optimiser les thunes qu'on gagne sur un compte qui est même pas ni le tien ni le mien. Non, t'as vraiment envie? Bah si, mec, pour faire Fut Champions, faut qu'on gagne des thunes. Faut qu'on optimise, qu'on ait une bonne team. T'as pas envie d'avoir une bonne team? Oh, y a émission 1, on c'est va la prise ouvrir des packs, gros. Bah écoute, on peut ouvrir des packs, hein, mais... Je sais pas, vous voulez nous voir faire de la gestion de team? Vous voulez nous voir ouvrir des packs et jouer à FIFA? Ça fait partie du jeu pour moi, tu vois. Ah ouais? Ok. Donc on est bien sur. On n'est pas sur le même compte qu'Off of Sport et tout. C'est ce que je voulais vérifier. Argentine, milieu de terrain. Je n'ai vraiment pas confiance, quoi. C'est moi qui ai créé le compte, c'est moi qui ai créé la team. Ah ouais, non. Mais je t'ai pas vu le créer, c'est pour ça. Allez hop, on a un Argentin. Donc là, on verra avec tous les packs qu'on va ouvrir un petit peu ce qui va se dégager. Si on va pouvoir faire une équipe de Ligue 1, une équipe française, une équipe anglaise, espagnole, machin et tout. Tout dépendra des packs qu'on va ouvrir. Je t'avoue que de base, j'ai demandé. Toi, tu préfères sur le pack de base, j'ai mis français. Ok. J'ai pas mis espagnol ou autre. Parce que je me suis dit, il va vouloir Griezmann. Donc j'ai mis français. Ça marche. Après. Gettner! Oh putain, la gueule qu'il a, mon pote! Il a pas l'air très heureux. Mec, il est vénère. Ok, bon, pour l'instant, rien de transcendant. On attend, bien sûr, d'avoir une petite animation avec les panneaux. Premier embrouille au premier pack. Imaginez au bout du 20ème, hein, ça va être quelque chose. Aïe, on a rien pour l'instant. Ça va, 3 packs, gros. Mec, Dragovic, quand même, le célèbre joueur de Leicester, bien sûr. Incroyable. C'est l'Autriche, hein, non? Oui, mais il joue en première ligue. Tous les clubs. Mais non, mais c'est marqué. Il connaît. Je fais semblant, tu vois, mais j'ai reconnu les cuissons, tu vois. Après, le but, c'est de faire semblant, quoi. C'est ça. Alors. Je crois que Xari, au vert des packs, il a eu Lacazette, cet enculé. Genre, Lacazette, très bon joueur français. Et surtout, il a pas mis d'argent dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a ouvert des packs sur offert. Ah ouais, d'accord, putain. C'est pas mal. Faut vraiment que je magouille, voir si je peux pas le racheter, hein. Tu sais, genre pour pas cher. Ouais, genre, tu lui dis, vas-y, mets-le en vente. Ouais, mets-le en vente et boum. Tu sais, j'actualise et j'achète tout de suite, quoi. Mais j'ai peur. Je sais pas s'il y a un moyen plus sécur de se faire un échange comme ça, tu vois. Ça m'étonnerait, tu vois. Après, je sais même pas si c'est autorisé, tu vois. Ils vont te le dire dans le. Allez, un défenseur français. Et c'est Palois. Palois. On était pas loin, mais on l'a incroyable. Pas eu. Hein. Incroyable. Bon, pour l'instant, c'est pas folichon. On va pas se mytho. Non, c'est on vrai qu'on a joueurs. Déconné un peu. Non, mais ça va, c'est le début. On a déconné. Parce que t'avais un joueur, il s'appelait Conné. Oh là là. Incroyable. MDR. Toi, t'as une team Ligue 1, je crois, non?
Aussi une team française ? Non, moi j'ai full France. Full France. Full France avec un petit Ronaldo et un petit Messi. C'est les deux seuls où j'ai dit, ouais. Alors drapeau, enfin, mec, c'est quoi ça comme drapeau ? On peut faire le jeu des drapeaux, mais. Le jeu des drapeaux, gros, c'est le tiers-monde là. Il y a des confettis, tu sais. La Tchécoslovaquie de l'Ouest. Tchécoslovaquie de. Vas-y, de... bah regarde. Ah oui, attends, attends. Bah là, si t'envoies au club, on est vide. Vas-y, regarde, jeu des drapeaux. Non, normalement, t'as un clic. Vas-y, vas-y. Pour avoir des infos. Voilà, clic droit. Et il est. Bon. Kalachev. Biélorusse, apparemment. Oui, bah voilà, on est bien sûr. Biélorusse. Oh, yo, yo, le chat, ils sont bons, quoi. Ils sont extrêmement chauds. On peut. Allez, ouvre-moi du pack, là. Ouvre-moi. Franchement. Franchement. C'est plutôt pas la joie. Donne-moi un grisou. Oui, bien sûr. Pas mal. Allez, gardien, 80. Il nous manque plus que Tavares et on est bon. L'humour. Event, d'accord, très bien. Non. On a des points. 1000 crédits. Vas-y, incroyable. C'est énorme ce que tu me proposes. Pack suivant. Pack suivant. C'est dommage qu'on puisse pas faire ouvrir 40 packs et que ça fasse. Oh ! Aïe, c'était mon pied ça. Oh, brésilien ! Oh ! Oh non. Les Jonas Brothers qui sont présents. Mec, plus de 83, tu vois brésilien, tu vois buteur. Ah, c'est les spécialistes sur FIFA de te proposer ça. Non ! Ils sont là, attention, tu n'as mis que 5 euros. 65 de vitesse. Mec, 65 de vitesse. Bah, il a une brouette derrière, donc. il est charrette. Il court, gros. Il le mec court, il est un pouce, buteur pouce. Au Brésil. Et il sait pas courir, c'est chiant. Dommage. Au revoir, Jonas. Mec, je connais même pas, j'ai jamais entendu parler. Je suis tellement déçu. Voilà, c'est qui ? C'est mon kiné, MDR. beau sourire. Oh, j'y ai cru. Je sais pas pourquoi j'y ai cru. Le compte. Et bon. Attends, on va vraiment faire le jeu des drapeaux et les ah jeux de mots. Moi je fais quoi. Le jeu des jeux de mots. Hein, le jeu des jeux de mots. Oh, Arsène Wenger. Ça c'est bien par contre. Yes, après ça, c'est vachement bien. Après tu peux changer la ligue de ton entraîneur. Non, mais je suis content. Le mec est connu. Je suis content. Ok, très bien. On va faire la même chose avec des streamers, tu sais. T'obtiens Zulu, t'es content. Zulu, putain. Dunkerque, FC Dunkerque. Français 2 sur 100. Humour 98. Voilà, on peut pas tout avoir. Énergie 120 okay, sur 100. Ça, tu nous as pas laissé l'animation, très bien. Mais Zaza. Non, c'est Zaza, gros. Tu veux une animation pour Zaza ? Tu sais que Zaza, c'était le pseudo. Alors, on devrait pas dire ça dans une OPSP, je suis désolé. Hein, mais non, bah, dis pas. Si. Zaza, c'était le nom de la pute, la seule qui existait dans ma ville. D'accord, très voilà. Bien. Elle était très connue. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte ? On l'appelait Zaza. Oui, elle avait une coupée cabriolet, je crois, tu l'avais dit. Eh, je t'écoute quand tu parles, mon je cher ami. Je vois que quand on parle de certaines personnes, ça écoute plus que quand je parle de la sortie de certains jeux. Hein. Exactement. Et comment tu connais son nom, du coup ? Elle était connue dans la ville. Ouais. Tout le monde faisait des blagues sur elle. Donc. Ouais. Et puis surtout que j'habitais en face de son lieu de travail. Ah oui, parce qu'on l'appelait ah oui. La pute de Chantraine. Et j'habitais en face du complexe sportif Chantraine. D'accord. Donc voilà, je la voyais de la fenêtre. Très bien. 84. Oui, Michel Houellebecq. Mec, qui, 84 en vitesse, c'est pas en mal. En plus hein. D'écrire des bouquins, eh bien, joue au foot. Et il court vite. Yes. Mec, pour l'instant, on part sur une première ligue. Hein. Enfin, anglais première ligue. Hein. C'est pas mal. On accepte ? Bah écoute, pour l'instant, on a Arsène Wenger, on a eu Rashford, maintenant on a Welbeck. Bon, pour l'instant, ce serait l'objectif, quoi. Pas du tout. Après, on peut choper du bon truc, hein, en moins de 83. Bobadilla ! Ouais, je t'avoue, c'était... Quel est ce pays ? C'était pas prévu. Ce pays... Ah, tu vas trop vite. Attends, il joue dans un club allemand, non ? Vas-y, regarde. Deuxième page. Et c'est Paraguay, très bien. Je me disais bien Amérique latine. Au mais... Paraguay, mais il joue à la Bundesliga, qui est une c'est ligue... C'est allemand. Allemande, ouais, je suis pas fou. Je suis pas fou, hein. Non, ça va, je connais ça. C'est une erreur de ma part de pas regarder les autres trucs. Moi, je en moi, général, je suis en mode, pas. Bon, si le premier pue la merde, le reste doit pas être folichon. Oui, de toute façon, on fera l'analyse après pour faire la team, quoi.
soit-il possible d'avoir le planning de le stream, tu vois, sur lestream.fr/programmation et tu as la programmation. Sinon, tu cliques sur le lien prog en dessous de. T'as pas cherché quand même, hein, t'es vraiment un feignant. Yoël. Bah, c'est bientôt, hein. Voilà, on vous souhaite à tous un noyeux Yoël. Oh non, fallait pas la faire. Évidemment. Très bien. Et en régie, hein, ça se coupe la gorge. Ah, on a chopé des crédits. Pierre-Van. Allez, mec, en vrai, à 1000 crédits, tu peux acheter des mecs pas dégueux pour compléter tes teams. Hein. C'est vrai, c'est chouette ça. Ça te permet de pas avoir un mec à 58, tiens. Tu chopes un mec à 78, 76, fais le taf, tiens. Il court un peu, quoi. Ouais, voilà. Un Belge. Fellaini. Non. Milieu. Non, il a beaucoup de Dembélé. Dembélé. C'est bien Dembélé. Il y en a plein des Dembélé dans le jeu. 80. Ah, ah ouais, oui, oui. Ah, c'est pas le Dembélé. Ouais, mais là c'est bien parce que c'est Tottenham, du coup c'est première ligue. Du coup, on reste dans l'idée de faire de la première ligue. C'est bien ça, Zulu. Donc c'est très très bien. Bah écoute, mes analyses quand même. On est content. On enchaîne, pack suivant. Enfin, tout cet argent qui s'envole comme ça. Plutôt 3K. 3-4K au crédit. Ouais. Ça dépend de ce que tu recherches. Ça dépend de ce que t'achètes, tu vois. Mais en tout cas, pour débuter, tu peux acheter des trucs pas des. Oh, Porto. Felipe. 80. En vrai, quand t'as pas d'animation, tu chopes un mec 82. Bon, ça va, on ça compense pas loin un peu, tu vois. En même temps, t'aurais une animation pour Felipe. Ouais, t'es deck, quoi. Ah. Was. Alors lui, il pourrait vraiment jouer des Allemands dans des films, quoi. Il a la même gueule que le fameux acteur qui joue tous les Allemands, tous les nazis. Dans ah le oui, mec dans Inglourious Basterds, ouais. Qui fait le. Il a la pure gueule. Fait l'Allemand, quoi. Fort bien. Beaucoup de joueurs, pas grand chose de connu, on enchaîne. On n'a pas eu tant de joueurs à 83 plus, on a eu quoi? Un? On a eu qu'un? Deux? On a eu deux? On a eu deux. Oh putain. C'est terrible quand tu vois le truc qui se casse. Et que t'as pas. Et non. Et que tu chopes Bergui, quoi. Et Bergui, hein, qui est un mélange de drapeau et d'asiatique, je pense. Hein. C'est quoi ça, Bergui? C'est au Pays-Bas. Voilà, Pays-Bas, c'est juste entre les deux, c'est ça. Terrible. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est pas autorisé par la loi, ça. Mais il a le droit de jouer, c'est bon. Il a le droit de jouer, mais il peut pas faire de tête. C'est. Ah oui, il a un casque, c'est ça que tu veux dire, ça coupe. Bah ça dévie la balle. Ah. Ouais, lui, vend-le en ce moment. On a un doublon. Quoi. Ouais, Rafa Benitez, là, écoute, ça va. Rafa, je vais te. On le place. Attends, t'as. Allez, vas-y, on s'en bat les couilles. Hop. T'as vendu rapidement Kimpembe et tu veux placer. Bah, j'essaie de ne pas réitérer mes erreurs. C'est bien. Voilà. En vrai, je t'avoue, je tryhard pas assez pour vendre les. Pour vendre les coachs. Alors. Oh, un Français, MDC, Chelsea, Bakayoko. Mec, on va faire une team de première ligue. C'est acté. Franchement, vu les packs qu'on a, on part sur la première ligue. C'est con. Pourquoi? Bon, on a Griezmann. Oui, mais Griezmann, on l'a pendant très peu de matchs, tu vois. Ah, on va le packer. Mec, si on pack, je m'en bats les couilles. Ça devient ton compte principal. Ah bah, je hack le compte, hein. Bien sûr. J'avoue que si on pack Griezmann... On est pas mal. Après, je crois que c'est pas. Je crois pas que ce soit un des meilleurs joueurs. Hein. Je l'ai vu dans quasiment aucune équipe à l'ESWC. Ah, mais c'est absolument pas l'un des meilleurs joueurs. C'est juste mon joueur favori. Oh, c'est Kiyotake. Mec, on fait l'équipe japonaise. Je l'ai vu, j'étais au taquet directement. Allez, on y va. On enchaîne. Quand tu fais des blagues comme ça, préviens-moi à l'avance. Pour, que je quitte le plateau. Tu saches à quel moment tu dois rire. Exact. Doublon non rare égale ventre rapide. Ok. Non mais franchement, on a une team première ligue qui est pas dégueu, hein, je le répète. Regarde, hop. Mec, le jeu a décidé qu'on allait jouer en première ligue. Smile. Écoute, on a été promu en première ligue. Ça me va. Franchement, on n'a pas des joueurs exceptionnels, mais on a des joueurs ok de chair, tu vois. Donc pour une première team, je pense que ça va le faire. Après, il va falloir gagner des matchs, hein, quand même. Hein. Ah bah avec toi à la manette, ça va pas être évident. Hein. Rappelle-moi le dernier résultat. Je me rappelle plus. Et Pogba, gagné. On a chopé le mauvais Pogba. Voilà, c'est son frère qui joue à Saint-Etienne. Ah, le mensonge. Et mec, ce serait trop drôle que de faire une team que d'homonymes. Oui, que des Pogba. On a eu l'idée c'est... avec House of Sports qu'on a eu plein d'homonymes aussi. Bah genre Dembélé, Pogba, tu sais genre. C'est que des noms qui font rêver, mais t'as pas les bons. En mode, oh non, c'est pas les bons. C'est absolument pas les. On a Sarr, hein, quand même. Quand même, Sarr, c'est pas mal, quoi. Et Diego Martinez, qu'on salue évidemment s'il nous regarde, et on le sait, il aime cette émission. Non mais t'as vu, ça dit dans le chat, ils ont une très bonne première ligue. Non mais je suis d'accord.
S'il pack Jésus, je suis FDR. Oula. C'est une carte noire. Et c'est Groza. Je m'en bats les couilles, je sais même pas qui c'est. 78. Oui, sauf qu'il a 84 en vitesse. En fait, c'est une carte boostée. C'est je m'en bats les couilles, il a 78, frère. C'est une carte boostée. Regarde, tu lis sur son visage qu'il est boosté, le mec. Bah là, il est boosté sans pouvoir. Il est complètement pouvoir, là. Boosté. Il est boosté à... Attention, petit interro, il joue à quel club? Il joue à quel club? Mec, tu vas le lire, je vais te dire à tes souhaits, parce que... Il est roumain et il joue à la Super League et il joue dans le club Karabükspor. Karabükspor. On a chopé du bon roumain, incroyable. Un roumain de Karabükspor, de la Super League. Après gros, il est super en forme quoi. Attends, il joue dans quelle ligue? C'est chaud quoi. Super League, c'est russe ça, je sais plus. Non, franchement, je sais pas. Il y a un mec qui dit ça vaut cher. Mec, bah on va essayer de le revendre hein. Non, on va jouer avec lui. Mais c'est un roumain, on fait une première ligue, on va pas jouer avec lui. Et les roumains parlent anglais, sois pas raciste comme ça. De la merde. Blandy, t'aurais dû être top modèle, pas joueur de foot. Dommage, on a raté sa carrière. Incroyable. Ici. N'empêche que les joueurs de foot beaux, ça m'aide. Oh, macaroni. Mec, les joueurs de foot beaux, ça m'aide à faire regarder. Gros, le... il a 73 ans, faut arrêter de jouer. Par contre, 29 en défense, hein, genre. Le mec. Ah, mais il tire des buts, hein, donc il ouais. Sait pas faire, hein, voilà. Il joue où? Non, mais macaroni. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as envoyé sur la liste des transferts, t'inquiète. J'ai merdé du coup. On pourra faire les transferts après, t'inquiète. Je fais quoi? T'inquiète. Je suis perdu. On fera les transferts après. Alors, macaroni, non, mais je veux savoir. Donc, c'est un italien, d'accord, mais il joue à Brisbane Roar. D'accord. Et le championnat, c'est Hyundai, je sais pas quoi, donc à mon avis, c'est pas ici, quoi. Allez, ça dégage, hein. Bah... Ouais, vas-y. Dégage. Vas-y, on va le vendre rien du tout, là. Allez, il nous reste moins de 10 packs. Il nous reste 6, je crois. 6 ou 7. Fernandez, un Argentin qui joue dans le fameux club de... Flugstock. Il joue chez à River Plate, Primera División. Donc je pense qu'il joue en Argentine. Ok, en tout cas en Amérique. Bah, je suis pas sûr que ce soit Argentine. Primera División avec un accent sur le haut, gros, c'est sûrement pas aux États-Unis. Il joue peut-être en Colombie aussi, t'en sais? Non, mais garde ta main. C'est garde vrai. Ta... Non, c'est vrai. Non, c'est bien joué quand c'est bien joué. Non, c'est mais bien après, joué. Oui. Je suis pas spécialiste des pays d'Amérique latine. C'est vrai. Allez, j'aimerais bien avoir un 83 plus quoi. Apparemment, il joue en Australie. Non. Mais non. Oh, c'est pas mal. Attends. Guy Lavogui. J'ai un doute. Je sais plus si c'est Première Ligue ça ou pas. Je crois que c'est Première Ligue, mais j'ai un gros doute. Je veux pas dire de conneries. Bundesliga, ok, my bad. Okay. C'est un Allemagne. Exactement. Isco, Robertson, ou vous. Pour être plus fort. Vous, il est quoi? Il est médecin chirurgien cardiaque. Et c'est normal que vous te rende plus fort. Regardez les films, évidemment, de John Woo. Un pack de prêt, gros plaisir. Un pack de prêt. C'est énorme, regarde, on va l'utiliser. Mec. Et on va tout de suite avoir Ronaldo. Non, mais ce sera après. Ce sera après. Tu veux que je fasse maintenant? Vas-y. Encore. Ah, faut faire. Ah non, putain, j'ai eu peur. Allez, le pack de prêt, c'est maintenant. Voilà, c'est forcément un bon joueur, donc. T'en jailles pas trop. C'est forcément un bon joueur. Bon, ça devait être forcément un bon joueur, il se trouve qu'on a glissé. Dommage qu'on n'ait pas eu vraiment première pas s'enjailler. Hein. Dommage qu'on n'ait pas eu première ligue. Quoi. Apparemment, tous les mecs qui te massent sont des japonais. Quoi. Ils sont experts. Ça donne de la force. Le japonais donne de la force, n'hésitez pas. Tiens, je vais manger ça ce soir. Un bon japonais. Ah ouais. Non, je veux dire, au restaurant, je vais bouffer un japonais. Merci, on avait compris. Dommage. Gamberini. Je sais pas, il est pas cool. Il est pas la coupe dire, du monde. Pas la peine de gamberger. Ça s'en va. Très bien, on enchaîne hein, les bonnes blagues. on y va. On est sur un rythme assez vénère. Jeu de mots. N'hésitez pas vous aussi
à trouver. Oh, t'inquiète, on a eu un il me suit, lui. J'ai pas voulu la faire, mais ça a été fait dans le chat. Oh, l'écusson, mec. Lustenberger. Mec, l'écusson de l'équipe, elle est incroyable. J'ai essayé de chercher une vanne avec la touffe qu'il a sur le crâne. On aurait dit un mouton. Peut-être est-ce parce que c'est un berger. Pff, c'est parti beaucoup trop loin. Mais ouf, c'est parti très très loin. Je cherche l'humour. Toujours pas de plus 83. Allez, de la première ligue là. Quel pays? J'aurais dit la Grèce, mais... Ouais, mais ça sent le piège. Mais non, théoriquement, c'est... Attends, mec, j'ai l'impression qu'on va se ridiculiser là-dessus. Non, c'est la Grèce. Il joue première ligue. Au club Watford, première ligue. Bon, c'est bien. Ça va, 78. C'est bien, on en veut. On en défenseur veut. Gauche. Agra, qui est là pour nous rappeler qu'il faut arrêter la charcuterie. On va laisser ce silence. Hein. Peut-être que toutes les deux semaines, l'émission, on va l'appeler jeu de mots. Alors, il a l'air pas dégueu. 90 en vitesse, mec. On l'appelle la fusée. La fusée. Il joue où, lui? Je connais pas ce club. C'est bien, on apprend des trucs en plus. Il joue dans quel club? Super League. Medipol, j'ai pas le temps de lire la suite. Allez, mec, j'ai envie de faire la team et faire. Je regarde un peu les autres joueurs. Tu veux faire la team, là? Mais non, mais il nous reste un pack. Il nous reste deux packs. On va prendre un pack à 100. D'accord. Non, on sait rien. Ça dépend si on va remettre du blé. Oh, première ligue, ça, je crois. En tout cas, il est anglais, donc on pourra le glisser. Et première ligue, Everton. Ça va, on finit pas trop mal. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. En vrai, mec, on a packé beaucoup de première ligue, hein, donc. C'est vrai, tiens, c'est première ligue aussi, ça. Première ligue 76, c'est pas mal. Et on a une ward. Qui permettra de garder la vision sur le terrain, évidemment. Mais arrête de me faire des blagues aussi téléphonées que ça. La régie. Moi, je rebille pas pour une émission avec lui, c'est pas possible. Mais ta gueule, t'es payé, évidemment que tu vas le vouloir. Dernier pack. Un remplaçant. Ramsey, c'est très bon. Mec, c'est validé. C'est validé. Arsenal, on accepte. Alors, c'est quoi le drapeau? C'est Pays de Galles. Exactement. Et oui, il avait mis le feu avec Gareth Bale, pardon, à l'Euro 2016. Chercher le jeu de mots entre mettre le feu et Ramsey. Non, c'est okay. Mec, je vous propose de faire l'équipe. Vas-y, go. Oh, trop bien. Allez. J'ai eu la manette pendant la moitié de cette émission. Tu vas faire l'autre moitié qui consiste à créer cette équipe. Voici notre équipe actuelle avec Griezmann en tête. Je l'ai pris pour toi. On va refaire une équipe, non? Bah non, modifie-la. Non, mec, je veux pas l'appeler les Kilms. Mais tu peux la modifier, le nom de l'équipe. Allô, Jean-Jean? Non, mais de toute façon, je vais tout clean. Donc autant... Bon, vas-y. Partir de rien. Alors, on l'appelle quoi? T'auras pas Griezmann? Si. Ah ouais, tu peux utiliser les mêmes joueurs? Ouais. D'accord. Bah oui. C'est bien fait. Je me trompe pas, hein. Oui. On l'appelle le stream. Évidemment. Tu l'appelles le stream. Je vais y arriver. L'alcool coule dans tes veines, apparemment. Hein. Touches, hein. Le stream FC, ouais. En majuscule, évidemment, FC. Quoi? Mais... Tiens. Donne-moi la manette parce que t'es vraiment un connard. C'est insupportable. Ah. C'est pourtant pas dur, quoi. Ouais, c'est pourtant pas dur. Hein. Oh, il a pas mis d'espace. Il y a pas d'espace sur le stream. Oui, je sais. Oui, mais là, t'as pas mis d'espace. Eh ben, il en faut pas. Je te troll. J'ai pas compris. Bref, en plus, c'est pas les mêmes touches qu'Xbox. C'est pour ça que je me suis. Le stream FC. Je me suis un peu gouré aussi. Pas pratique du tout. Ah, c'est juste du ghetto d'habitude. Faut faire. Croix. Voilà. Voilà. Alors, du coup, qu'on met en entraîneur? Bah, Arsène Wenger. Arsène Wenger. On aurait pu mettre un anglais, peut-être, non? Mais non, c'est première ligue. Oh ouais, je savais pas, excellent. Il joue avec dans... Arsenal. Il coach quelle équipe? Arsenal, je crois. Ok, donc là, on applique l'entraîneur. Ouais, applique-le bien. On applique l'élément entraîneur.
On lui met un contrat en plus. Un contrat de bâtard. On n'a pas beaucoup de contrats. Donc ouais, on lui met un contrat comme ça. Bah si, non, vas-y, si, si, mais plus 28, on s'en fout. S'en fout. Oui, oui. C'est Arsène Wenger. Il a dit on s'en fout. Hein. Mec, si après on fait une team Ligue 1, on le passera en Ligue 1 et puis c'est tout. Quoi. Bah c'est bon, on va pas en rajouter. Non. Okay. Voilà, on a Arsène Wenger, on l'a pendant un long moment, c'est cool. Ensuite, le dispositif, on va le changer maintenant, puisque on le sait, enfin moi je l'ai vu pendant le SWC, le dispositif qui est utilisé par tous les joueurs, ouais, c'est le 5-3-1-2. Ouais, mais après, je pense que dans un premier temps... Non, 5-3-1-2, je raconte n'importe quoi. Je pense que dans un premier temps, on sera obligé de faire un dispositif qui sera adapté à l'effectif qu'on a. Ah ouais ? Pour avoir un bon collectif, tu vois. Putain, parce on peut pas juste voir la liste ? Parce que c'est pas très pratique, ça. C'est... Attends, non, c'est le 4-3... Merde, je sais. 4-2-3-1. Ouais, c'est 4-2-3-1. Voilà, c'est celui-là. C'est okay. Celui-là, mais c'est le resserré. Alors, c'est peut-être pas celui-là, le resserré. C'est pas trop serré. Hein. Je pense que hop, c'est ça. Vas-y, vas-y. Je crois que c'est ça, mais j'ai un doute. On verra. On va prendre ça pour le moment. Allez, vas-y, buteur. Je crois qu'ils jouent ça, les mecs. Buteur, on met Rashford. On va ajouter des joueurs du coup au goal. Alors, on commence de base en haut. Vas-y, vas-y, comme tu veux. Fais-toi plaisir. Merde, qu'est-ce que j'ai branlé ? Excusez-moi. Oh, pardon. Excusez-moi, c'est une erreur de manipulation. Du coup, au goal. Ah, faut que j'ajoute des joueurs. Très bien. Oui, vas-y, vas-y. Cherchez dans mon club. Oui, vas-y. Tu vas dans championnat et tu mets première ligue. Et là, on valide. Bah voilà, tu fais triant. Bah, on vas-y. A que lui. C'est validé. Ensuite. Voilà. Ensuite, tu fais ça pour tous les postes. Ajouter joueur. Ok. Oh, bah, c'est bon. Ça va aller vite. Alors, vas-y, Smalling. Hop, et tu reviens et puis on fait ça pour tous les mecs. Ok. Ça va plus faire plus pratique hein. Quand même. Ouais, c'est vrai, il manque un truc auto. Après, il y avait un truc. Composer équipe, première ligue. Hop, ça remplit. C'est peut-être possible, c'était peut-être possible. On l'a peut-être passé. Ah, dommage, madame Chambier. On l'a peut-être passé. Bon, mais les plus forts. Ouais, ouais. Après. Après, on les bougera. Attends, il y a peut-être un truc à faire. Mets un défenseur central qui est anglais. C'est important mais... parce qu'on a peut-être un gardien anglais d'accord, qui a plus de 80. Ben, on en a pas des défenseurs centrales. Attends, ça c'est quoi ? Ça c'est défenseur gauche. Ouais, mais on n'a pas de défenseur central anglais. Si, si. Ah, mais qui est pas de première ligue ? Non, non, attends, regarde. Regarde. Oh. Regarde. Dans hop, mon club en première ligue, apparemment il n'y en a pas d'autres. Là on met ça. Pardon. C'est. Je vais y arriver. Blablabla, ton équipe. Comment je fais pour le changer ? Remplacer, non. Comment je fais pour le changer, lui ? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi ? Je veux changer, je veux le changer, lui. Échanger joueur. Ah, parce qu'on était à DG, du coup, maintenant, oui, voilà, que des DG. Ça. D'accord, voilà. D'accord. En gros, mais lui. D'accord. Parce que d'accord. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on a. T'as raison. Je croyais qu'en fait, même quand t'étais à gauche, il m'affichait que tous les défenseurs. Non, en fait. Non, il met que les DG, quoi. Voilà. Okay. Je vais juste regarder. My bad. J'ai effectivement dit des bêtises. Il y a aucun problème. Ok, on a de la voilà, merde, ça donc ça sert à rien. Faire ça. Ça servait à rien et voilà, merde, j'ai mis anglais du coup, alors que on cherche... Ouais, on s'en fout qu'il soit anglais le mec. On cherche première ligue. Championnat première ligue. Après moi, ma team... Ah bah, hey, mec, on... Bon, c'est que du 76, hein, mais... Ouais, mais bon, c'est dans le même championnat, c'est pas mal. Alors, et bah... Oh. Directement. Je vais y arriver. Carré, triangle. C'est pas mal, hein. Ça, on en a aussi. Ah, on en a pas. Très bien. On en a pas, mais attends. Ah ouais, et tu vois là, il faut. Mais il y a peut-être autre chose. Ouais, mais il faut 3 MOC, tu vois. Oui, mais c'est... on s'en fout, gros. Si tu mets des MC ou des MG, MD, c'est bon. Bah, non, en fait, parce que. T'as. En fait, regarde, t'as l'info joueur. Zoulou, je et sais. Mais c'est pour optimiser, tu vois. Oui, mais. Bah, je sais pas. S'il vaut mieux primer solide. Le. Alors, on va chercher du coup. Est-ce que je peux juste pas chercher attaquant ? En fait, moi, ce que les joueurs me disaient, c'est que. Enfin, quand j'en parlais avec eux, en gros, ce qu'ils me disaient, c'est que. En gros, il y a la réalité du terrain, du vrai terrain. Et il y a la réalité du jeu. Et en fait, le jeu, tu peux, entre guillemets, abuser de ses faiblesses, tu vois. Et donc, il y a des formations qui permettent de plus abuser des faiblesses que d'autres. Bien sûr. Mais là, le truc, c'est que
on aura un collectif qui sera moindre et des joueurs qui auront une forme moindre en fait. Déjà rempli, tu vas voir que le collectif il va déjà être à 92, on sera en mode bon. Ça va. Ah, il me semble. Oh, c'est un buteur. Oh, mais 70, pas ouf. Bah là, on va juste soit prendre. Soit Angleterre, soit même pays, soit carrément même club. Bon, même club non, mais on va juste mettre les meilleurs qu'on Griezmann a. Griezmann au but, mec. On s'en fout qu'il soit pas anglais. Attends, je regarde si on n'a pas des MOC. Dans ce cas-là, change le poste. Ah oui, j'ai mis. Blanc, quoi. Oui, putain, je suis con. Effectivement. Alors. On a. Oh, on en a un. Ah oui, il faut qu'on mette lui. Ah oui, pourquoi? On a un MOC. Ici. Putain, ça fait 10 minutes que je le fais, je me trompe encore de touche, quoi. À droite. C'est MDC. Non, ah, non, tout à droite. Là. Là, il y en a deux. Ici et celui d'à gauche. Juste à gauche, ça en a un aussi. Yes. C'est Italie et Espagne. De toute façon, les deux c'est mort, on prend juste celui qui court le plus vite. Voilà, tiens, hop, tu prends celui-là. Ah ouais, 35 en vitesse. Ouais. La merde, tu... Bah, bienvenue l'italien, mets-toi bien. Voilà. Très 98 bien. En collectif, voilà, m'en mets pas avec les détails. Je sais, mais il y a la question de forme. Peut-être que le joueur, là, il a. Je sais pas exactement comment ça marche la forme. Peut-être qu'il a 75, mais en forme 4, peut-être qu'il sera vraiment beaucoup moins bon. Tu vois. On est d'accord. Je sais pas s'il y a une formation qui met 3 buteurs. Tu vois. Est-ce qu'on peut améliorer. Oh, tu mets pas Griezmann du coup. On peut mettre. Tout le monde dit Dembélé, mais prends Dembélé, putain. Dembélé, Tottenham. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, il y a peut-être un autre joueur à échanger plutôt que celui-là. Hein. Celui de droite, lien rouge. Hein. Celui de droite, lien rouge, apparemment. Celui de droite, lien rouge. Tu vois, quand c'est pas un MOC, mais que c'est au moins un MC, oui, il là, est ça jaune. Marche. Bah, c'est déjà pas oui, mal. Oui, mais MC, ça marche. Et bah voilà. Bah, mais buteur, ça marche pas. Oui, d'accord, mais. Mais non, mais pour moi, tu mets. Jarte-moi le mec tout en haut là. T'as mis qui tout en haut? 80, on s'en bat les couilles, jarte-moi ça. Tu veux mettre pas Griezmann? Si, on peut mettre Griezmann. Il y a le collectif, il y a le machin, mais il y a aussi le mec qui trace. Ah ouais, bien sûr. Et puis je veux t'entendre gueuler Grisou à chaque fois que tu marques un but aussi, tu vois. Ça marche. Bah non, mais gros. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Bon alors, mais qui? Qui joue encore des attaquants dans les milieux. Voilà. Milieu de terrain, on a qui? Grosav, il court. Il lui, court vite, c'est Première Ligue, lui. Lui, Première Ligue? Ouais. C'est pas mal. Il y a qui doit t'attendre? Attends. On prend le temps. Bon, affiche les chiffres. Voilà. Et l'autre, 84 en course, gros, la carte boostée, là. C'est pas un club anglais où il est? Attends, c'est un club romain. Regarde, je vais mettre ça. Je crois qu'il est en Russie. Hop, t'en ajouter. Voilà. Ouais, ça va aller plus vite de faire le changement. Tu mets les bons joueurs. Et... Par contre, mets tous les joueurs au lieu de mettre. Ouais. Ah, bah, poste actif. Tout. Ouais, voilà, tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a et là, tu mets bien les plus forts. Quoi. Ah, vas-y, mettons. Mais les... Ouais, mais les plus gros chiffres, non? Oui, Jonas, mais des buteurs, bon on en a déjà, on a déjà 12, tu vois. Puis il a 65 en vitesse, donc je t'avoue, je vais essayer de le... Ok, on en a un, là. Attaquant gauche, 90. Elia, la flèche. Et lui, c'est... Ah, c'est le mauvais Pogba. Attends, hop. Ok, et en réserve, on a qui? Alors, on va mettre 5. Pogba, parce qu'il faut des défenseurs, là. Ah ouais? Ouais. On n'a pas plus rapide, là? Après 76 en défense, pas mal. En vrai. Ok. Attends, et on en a plein des défenseurs gros. Hein. Calme-moi ça. Mets du milieu peut-être. AD c'est quoi? 93. 93 en vitesse. Agra. Lui. Ah oui, nice. Ouais. La flèche quoi. Attends, parce que regarde. On a deux attaquants. On a deux milieux. On a trois défenseurs. Et un deux buteurs, on est pas mal, hein, pour un gardien. Au cas où. Enfin bon, le gardien qui se blesse, j'avoue que ça arrive pas tous les matins quand même. Ouais, mais bon, le jour où ça t'arrive, et tu dois mettre
Le frère de Pogba au but, t'es pas bien. Là, là, lui, le français. Le compte. Le compte. C'est très bien, un petit français au goal. Et un dernier, on prend quoi? Ah, ceux qui sont plus susceptibles de s'enculer, c'est quand même les milieux. Donc j'aurais tendance à prendre un milieu. 86, c'est pas mal. Quoi 80... Ah oui. Ouais, Siretti, 86 en vitesse. Allez, vas-y. Un peu nul en défense. Mais... Ok. Par contre, ouais, je pense suivre le chat et mettre Rashford quand même. Tu vois. Bah vas-y, mets Rashford. Je te fais confiance. En vrai, il, suis il chat, est bon. Le chat est chaud, normalement. Il est là pour nous guider. Et yes. Du coup, tu mets pas du tout Griezmann. Alors, bah en vrai, gardons-le, alors, tu vois, le jour où... J'ai envie de te dire, peut-être change la formation, mais une formation où il y a deux buteurs. Comme ça, on a Griezmann et Rashford en tête, c'est pas mal. Change la formation. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Alors, trouvons une formation... Ça peut être une technique. ...qui se termine par deux. On a 100% en collectif, c'est pas mal. Voilà. Ouais, ouais, vas-y, remets. C'est pas mal. Ok, il y a des changements à faire, du coup, mais c'est vraiment pas mal. Je regarde un peu ce qu'on nous propose. Hein. Je regarde un peu ce qu'il y a. Hein. Deux secondes. Ah oui, on peut faire un truc avec trois attaquants. Hein. Oui, mais est-ce qu'on veut vraiment faire un truc avec trois attaquants? C'est ça la question. Sachant que manifestement, dans le jeu, ça passe beaucoup mieux au milieu que sur les côtés, apparemment. Donc, oui, je sais, j'y connais rien, mais j'essaie de copier les grands joueurs. Alors ça, c'est ce qui est utilisé aussi quand tu quand as besoin de marquer fast. Quoi. En mode, on trace et on marque. Quoi. Peut se tenir. Hein. C'est un peu les deux compos, tu vois. T'as la compo de base et la compo hyper agressive. C'est genre une ligne au milieu, quoi. Yes. Après, Griezmann, on peut le garder si un jour on fait une équipe française ou une ligue espagnole, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il va pas trop comboter avec les autres, donc c'est peut-être pas ouf. Tu vois, je préfère mettre moi les deux joueurs anglais, tu vois, les deux buteurs anglais qu'on a, tu vois, Welbeck et Rashford en attaque qui vont faire le taf. Après, la team qu'on a, elle est bien aussi. Hein. Du coup, tu veux faire quoi? Ça? Plus écarté? Je regarde. Ouais, on peut faire ça. Ou on peut rester celle de base, c'est comme tu veux. 4-2-3-1, c'était pas mal, il suffisait de changer les postes avec la carte changement de poste. Ah ouais, c'est pas con ça. Alors, par contre, on prend celle-là ou celle-là? Mais celle que t'avais de base, vas-y. La resserrer ou l'écarter? Non, mais la resserrer. Celle-là? Ouais. Ok, on prend celle-là. Ok. Et du coup, on peut changer le poste de Griezmann. Attends, mais la... Non, le poste de Griezmann, on s'en fout. Non, il veut mettre les mecs en MOC et tout. Mais en vrai, en vrai les mecs, on ils sont, déjà à 100% ils sont quand même à 10 et tout. Non, en vrai, moi, je pense que c'est bien. Non, mais par contre, on pourrait mettre Griezmann à la place du mec à 80 à droite, là. L'Argentin. Ça court vite, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, c'est je, comme tu veux. Moi, je partirais du principe de le garder au cas où okay, on gardons. En a besoin. Mais... Gardons-le. Garde la compo. Rien, Apparemment, on est bon. Tu peux pas modifier le poste de tes MC en MD ou MG. Change ton milieu défensif gauche. Celui-là ? Milieu défensif gauche, non. C'est... Milieu... Ah oui, pardon. Ça va être lui, je pense. Milieu défensif gauche, bah pourquoi, qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas. Apparemment, bon, on a peut-être mieux. On a peut-être un meilleur milieu... Mec, tous les traits sont... Mec, franchement, je suis impressionné de l'ouverture de pack qu'on a eue, tu vois. Franchement, on a deux mecs qui sont en dessous de 80. Et t'as un MDC 80 en dessous, qui a l'air d'être peut-être mieux. Il est peut-être juste C'est français et Ligue Allemagne, tu vois. Ouais, c'est chiant. Et on perd 3 de collectif, quoi. Et attends, et le DC? Lequel? Là, Soul. Ah, il court 0 vite, mais il défend bien, tu vois. Et je pense que c'est jaune. Ah non, c'est rouge. Ah oui, non, c'est vraiment de la merde. Non, j'allais dire, c'est jaune au milieu du... Ouais. Sur le poste, c'est jaune. Ouais. Bon, moi, je suis pour le laisser comme ça. En vrai, MDC, on 32 a... de vitesse, 32 de vitesse, MDR. Tu défends rien avec ça. Ah oui. Ah oui, d'accord. Qui a 32 de vitesse? Oui. Il a 32 de vitesse, gros. Oh, pas bien. Ah oui. Lui, il a 32 de vitesse. Ah oui, ça va être compliqué. Écoute, franchement, l'allemand, il était pas dégueu. Attention, t'as le mec de... Ouais, bah non, mais non, après, c'est un buteur. Un mec de près, hein. C'est un buteur. On n'a pas autre chose. Attends, il y a un Suisse là. Il joue lui. J'en sais rien. Le français là, c'est quoi? C'est pas anglais ça? Ah non, c'est un goal, putain. Allez, on met le goal en défense. Ah, c'est compliqué là. Il nous manque un anglais quoi. Hé, on a un peu de thunes. De toute façon, c'est la fin de cette émission. Va acheter un défenseur gauche. Va acheter un MDC qui de première ligue, qui est pas puant. Allez, vas-y.
Ça, on est bon. Tu vas sur le marché et on termine par ça. Transfert. C'est dans transfert, je crois. Oui, et là, tu vas dans rechercher joueur or. Et là, tu mets. Tiens, vas-y. Alors. Mec, on peut acheter Baba. Qui ça? Baba. C'est qui Baba? J'ai pas compris. Ah, lui, d'accord. Okay. Bah, d'ailleurs, on va plus pouvoir l'acheter, c'est fini. Merde, comment lui on fait pour choisir? Excuse-moi. Oh, regarde. J'ai oublié. C'est pas grave. C'est objectif de transfert ou un truc comme ça? Ah, voilà, c'est là. Alors, ouais, on connaît. Avec les tutos, on connaît. Du coup, donc on veut un joueur or. Poste. C'est un défenseur. Ok. T'es sûr? Non, c'était un milieu. C'était un MDC. MDC. C'était un MDC. Ok, my bad. Style, on s'en fout. Tout. Championnat. Yes. Première ligue. Voilà. Et le reste, on s'en bat les steaks. Alors, on a qui? Mata. Alors, déjà, faut qu'on ait les thunes. Donc, faut que ce soit moins de 2008. En prix d'achat immédiat. Schneiderlin. Ouais, 68 vitesse, c'est pas ouf. Calme-toi. Ça va, pas un attaquant. Hein. Ouais, il coûte. Ça, lui, il était pas mal. Ouais, mais on peut pas l'acheter. Et Mata, il coûte combien? Quoi? Mata, il est hors de prix. Il est trop cher. Oublie. Ok. Oublie. Hop, Schneiderlin. Moi, je le joue dans la team. Bon, là, de toute façon, ils sont out d'être, ouais. Les trucs. Oh, on va avancer un peu. Silva? 3000, non, on peut pas. Ok, il y a Nkoudou, mec, 91 en vitesse. Par contre, là, à droite, ouais, lui, oh, putain, 10 000, le bâtard. Putain, prix de départ, 0 et prix d'achat, 10 000. Ok. Et celui juste à gauche, il coûtait pas trop cher, non? Même celui à droite, là, il est pas mal. Tiens, okay. Achète ce que tu veux. Fais ton marché. Là, lui, il est pas mal, non? Il a l'air de courir vite, il défend bien, il joue en première ligue, il coûte 1900. Ouais, bah écoute, recherche-le à droite. Je crois que c'est trop tard. Bah ouais, vas-y, va à droite. On va le choper, hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on cherche? Allez, 85, il y a court vite, 45 000, c'est pas possible. 85, il y a 30 000, ok, 81. Pas cher, court vite. Milieu vas-y, gauche. Go. Achat immédiat. Ça peut passer. Non. C'est trop tard, je crois. Putain, nique ça va trop vite. Mettez-nous des trucs qui ont plus de temps. C'est pas grave. Ah, terrible. Bon, alors. Je sais trop, un mec Bakayoko, qui. Je suis un mec qui court vite, c'est tellement important. Oh, Sanchez. Oh, ouais, mais... oh, il défend comme une merde. 33 de défense, mais il court très vite. Non, on veut un mec qui est ça. Après, j'avoue, ça dépend. Ils ont tous des. Ils sont tous des défenses de mort. Après, on veut un MDC, quoi. Ah, tu veux un MDC, toi? Bah, c'est le poste. Ouais, ça peut être un MC, ça passe, ce sera jaune, ça sera en plus. Regarde à droite, là. Il est bien. Vas-y, achète-le. Il est bien. Nice, allez, ça passe. Cours vite, à signer maintenant. Voilà, tu mets à la place de l'italien. Alors. Et on aura fini notre team, on pourra commencer les matchs la semaine prochaine. Alors, faut le mettre à la place de qui? Remplace le Suisse, c'est le même poste. Il est où le Suisse, lui? Yes. Ça dégage. Nickel. Voilà. Hop. Et du coup, lui, vente rapide, non? Non, liste des transferts. Je le connais pas. Ouais, vas-y, mets ça. Tout. Hop, ça, il va partir au prix. Allez, vas-y, va-t'en. Vas-y, on dégage. On finit la team. Et on est bon? Yes. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'acheter un gardien. Mais bon, on va garder notre. On a plus trop de thunes, là, gros, malheureusement. Hop, remplace l'italien. Alors, il est où? Je l'ai perdu. Là. C'est lui? Yes. On est pas mal, là, les gars. Écoute, on est bien. Est-ce qu'on met un gardien dans notre team de remplaçants et non dans les réservistes? T'as dit quoi? Est-ce qu'on met un gardien dans notre team de remplaçants et non dans les réservistes? Ah ouais, c'est mieux, non? T'as pas le droit de mettre... Enfin, sinon, tu pourras jamais l'utiliser. Ouais, sinon, tu pourras pas l'utiliser. Voilà. Ouais, on a terminé. Ça va. Alors, attends. On a deux buteurs... Deux défenseurs, ouais, il y a peut-être un attaquant en trop, non? Le problème, c'est qu'il fait chier, il court vite, il est pas mal. Ouais, moi, j'aurais tendance à jarter Felipe ou lui. Vas-y, ouais, mets le gardien à la place. Comme ça, on est sûr. À la place de Soul? Ouais. Je regarde les stats. Felipe et lui, c'est à peu près pareil. C'est tous les deux des DC. Vas-y, jarte-le, voilà. Hop. Allez, on est bon? Écoute, Max, belle team, franchement. Il manque plus qu'un défenseur droit. Il y a quelques petits trucs à optimiser, mais franchement,
Pour 40 balles, on s'en est pas mal sorti. Ouais, ouais, ouais. Regarde les vitesses des 3 MC pour voir lequel on met plus bas. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Merde, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Je voulais changer ce qu'on affiche, en fait. Sur les mecs. Ah, voilà. Alors, lui, à 68, 76 et... 4. Ok, bah c'est bon. On est pas mal, hein. On est bien, on est bien, on est bien. Ça va courir vite, hein. Bon, écoute, moi, je suis content de cette team. On pourra tester dès la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Eh bien, dans 2 semaines, on va se lancer sur Foot Champions avec cette équipe et on verra comment on arrive à s'en sortir. Souhaitez-nous bonne chance. On va faire de notre mieux, tout simplement. Voilà, Foot Champions qui est, on le rappelle, disponible toutes les semaines, un peu pour vous... pour vous tester face à d'autres joueurs, mais pas seulement, parce qu'ils ont aussi, cette année, fait un mode offline. D'accord. Du coup, si vous avez peur de vous confronter en Foot Champions face à des vrais joueurs et de vous faire rétamer, sachez que vous pouvez aussi y jouer offline et obtenir des très belles récompenses aussi, parce que quand tu termines Foot Champions, en fonction de ton classement, on te donne des récompenses, des packs, etc. Donc, voilà, vous pouvez y jouer aussi en offline, ce qu'on fera peut-être même sans doute, ce qui peut vous permettre d'avoir des récompenses sans forcément vous faire éclater par de très très bons joueurs. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Exactement. Sachant voilà. Qu'en ouais. Offline, évidemment, c'est lié à la difficulté. C'est-à-dire que plus tu vas monter la difficulté de l'IA, plus tes récompenses seront grandes si tu fais un bon classement. Très bien. Voilà. Eh bien, on aura l'occasion de voir ça dans 2 semaines. Le rendez-vous est pris dans un instant. Eh bien, vous allez retrouver Xari pour un petit peu de poker. Et donc, passez une bonne soirée sur le stream. Et à plus tard.